ليبن تي في ما كنتش عارفها ولكن الان عرفت جيتو مرحبا شكرا شكرا l'exposition c'était prévu pour le 2020 mais c'était avec la pandémie on a reculé jusqu'à aujourd'hui enfin on a l'exposition et c'est une exposition pour la rétrospective de ma vie ça fait presque une 45 ans de travail je suis arrivé en 1970 en Allemagne et j'ai fait les études à la Kunstakademie les Beaux-Arts de Düsseldorf et puis c'est les récentes travaux que j'ai fait maintenant. Un tableau, par exemple, c'est un autoportrait. Ça raconte ma vie avec la presse de l'Allemagne, les articles depuis les années 70-80 jusqu'à aujourd'hui. C'est un collage. Là, il y a par exemple d'autres tableaux que je fais avec les poings. Et c'est à partir de ma mère. C'était le temps où on faisait les tapis, parce qu'elle elle fait les tapis, et nous, les enfants, on a aidé. Et moi, j'ai fait les dessins, par exemple, pour les motifs. Et les pointillismes que je fais, c'est un travail approché à la tapisserie. Et je vous raconte un petit peu comment ça se passe. Là, par exemple, c'est aussi le raccrochage comme un tapis de la tapisserie. Et là, le pointillisme, c'est aussi des points qui se superposent sur une tridimensionnelle. C'est ma façon de faire les points presque en chaos et puis désordonnés. Après, j'ordonne un petit peu, que je donne un effet. Et surtout les visiteurs, c'est eux qui peuvent, d'après leur imagination, trouver quel motif je représente, parce que je ne donne pas de titre, pas de nom pour les tableaux. Vous présentez votre tableau seulement en Allemagne ou en autre pays comme le Maroc, par exemple? Aussi au Maroc et surtout en Chine. Moi, j'ai eu un atelier en Chine, au Maroc et ici en Allemagne. Et je voyage, ma vie, c'est les voyages, c'est les inspirations. On est fiers de vous parce que moi, j'ai trouvé un article de presse à l'internet et vous écrit pour qu'on vient faire. Pour cette exposition. C'était récent maintenant. Ouais. Et puis, on peut voir là, c'est le pointillisme. C'est les nœuds, c'est le nouage de tapis. Ma mère, elle faisait les tapis. Elle nous racontait, lorsqu'on était des enfants, des histoires, par exemple, de Mille et une nuits, Jayette. Et nous, on travaillait un petit peu. Et, c'était une grande dame, ma mère. Là aussi, c'est les pointillismes. Ce sont les travaux que je fais maintenant. Là aussi, c'est avec de l'acrylique et on voit y a les nœuds, c'est comme le tapis. Ça toujours même travail, c'est des points et on peut voir qu'il y a une tridimensionnelle parce que je fais des points. Et ce sont des surfaces, des niveaux qui sont superposés et ça donne un truc de tridimensionnel. Ça, par exemple, c'est le Maroc, le Sahara. Un exemple, sans dire le titre. Et ça, c'est Khmissa. Khmissa, voilà. C'est un symbole, c'est un talisman. Plusieurs cultures croient à ce talisman. Ça, disons ça,
c'est un truc qui protège. Qui protège. Oui. Qui protège. Et nous, au Maroc, on dit Khamsa Khamis Alik. Ça veut dire, sur tous les yeux, ça se répète, c'est la main de Fatima. Et là, c'est le pointillisme. C'est les derniers. Là, ils sont plus anciens, c'est dans les années 45. Mais là, c'est les derniers trois. Personnages, je laisse la liberté. Vous avez aussi une page internet pour exposer ce tableau, comme une page Facebook ou Instagram, pour que les gens regardent votre travail. Oui, il y a un site. Un site internet, ok, internet. Très bien. C'est www.saoudi.org. Ok, on va l'écrire sur le vidéo. Et là, on peut voir les expositions, les voyages que je fais les dernières années, parce qu'une douzaine d'années, c'est la Chine. Une fois, deux fois par an, j'ai un atelier, je fais aussi, je suis professeur d'art dans une académie à Jilin, en Chine. Mais malheureusement, il y a 2 ans maintenant, la pandémie je ne peux pas rentrer en Chine. Oui, c'est bien dommage. Difficile. Ouais. C'est notre époque maintenant. La situation est très difficile pour tout le monde, mais je crois que. On espère que ça va s'améliorer dans les années prochaines. Avec l'Omicron, je crois que c'est la dernière étape. Ça, on espère. On espère. Merci. Ok, merci Monsieur Ali pour cette exposition et d'être chez nous à Mleben TV et on vous souhaite bonne continuation merci, avec votre projet. Merci, Dankeschön et à la prochaine. Okay. Merci. Merci.